Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi le 13 mars 2021, il est 8h19 le matin. Puis moi, mon chum, ça fait relativement un petit peu qu'on est réveillé. Puis aujourd'hui, la date fait super soleil dehors. Là, il faut qu'on aille faire l'épicerie. Une petite épicerie, là, j'ai pas grand chose à acheter cette semaine. Juste des petits trucs comme un petit peu plus frais, là, quelques fruits et légumes seulement, puis un petit peu de viande, puis de la litière à chat. Sinon, honnêtement, j'ai comme pas de gros achats à faire. Puis, voilà. La date, c'est pas mal ça qui est prévu à l'horaire. Puis, on reste sûrement de faire un petit peu de lavage là, au travers de tout ça. Et tout. Fait que vous allez me suivre dans une autre journée. Puis là, je sais pas si vous êtes en mesure de voir comme il faut, là, mais je vais essayer de vous. J'essaie. Je sais pas si vous allez voir. Mais ça grossit encore. C'est pas de... Juste vous. Yeah! Pour placer. Puis, ouais, je vais acheter du sirop d'érable aussi parce que j'en ai presque plus. Parce qu'on a fait des crêpes la semaine passée. Puis là, il y en a un spécial. Fait que je vais en profiter pour en acheter là. Parce que sinon, je trouve que c'est relativement un petit peu cher. Quoique, tu sais, je veux dire, si on encourage local parce que c'est pas d'un autre pays. C'est vraiment du sirop d'érable québécois. Fait que voilà la gang. Là-dessus, nous, on se rejasse tantôt. Puis si vous avez pas vu ma vidéo que j'ai mis en ligne hier, je vais vous la laisser en barre d'infos du vlog. Cet enfant gagne n'a pas d'allure. Ouais. Mais ça marche pas. Essaye de se faire une catapulte. Pas d'allure. Ça marche. Bon. On vient d'aller faire des petites commissions de fin de semaine. Hein. J'ai pris un pain blanc pour mon père. Là. On a arrêté la fin de l'histoire. J'avais besoin d'une ampoule pour mon ma véranda. On va continuer de faire les commissions. On a fait l'épicerie aussi. Je sais pas. Celle-là de droite, c'est la cuisine. Celle-là de gauche, c'est la véranda debout. On a pris une douzaine de coco. Ouais, c'est mon que le globe est éclaté dedans. On a pris du pain de mie pour mon père. J'ai pris un pot de Breyers à la vanille. Un autre pot de Bessus qu'on avait quasiment plus dans l'autre. Je suis recadré. J'ai l'impression qu'on ne se voit pas assez. Ça devrait être mieux. Parmesan et romano. Des recettes, des tomates comme ça, ça valait vraiment la peine. J'ai pris aussi deux concombres. Là, les biscuits de porc de Pittsburgh sont sortis. Puis moi, à chaque saison, je les achète. Là, je vais vous tâcher les soins. Des fois, de temps en temps, juste un petit sucré. J'ai pris un corset de fraises. Une canne de sirop d'érable, de la sauce Kansas City. Oh. Magique. Wow. Pour les ailes de poulet maison, fait que j'ai pris un paquet d'ailes de poulet, vous comprenez. Je me suis pris deux couleurs. C'est des alcoolisés, sauf que je peux en prendre. J'ai pris un Summer Passion puis un Lolita Sangria. J'ai pris ici ces steaks-là qui est en spécial. Fait que j'ai pris trois beaux steaks comme ça de Côte d'Aloyau. Ils sont bons habituellement, ceux-là.
normalement. La saucisse italienne douce pour faire une plaque de saucisse. Fait que ça, comme je vous dis, c'est pas mal la viande qui manquait. Peux-tu m'amener les autres sacs, baby, s'il te plaît? Là, ma défense, les deux autres, je les ai traînés à terre. Fait que je les ai pas soulevés. Je les ai traînés à terre. T'es un bébé. Faut faire attention. Je sais, Bibi. Avec une belle lame bleue en plus. Ah, j'ai mangé un Jack Ranchers pour ça. J'ai pris un poivre comme ça de patates grelots, après pour la pâte de saucisse. Mais sinon, on a pas pour manger un dessert pour s'en faire des petites patates comme rissolées, c'est bien bon. J'ai pris des bananes. J'ai mangé des pâtes ce matin avec Sprout Peanuts. Des cigarettes pour le bonhomme dans le salon. J'ai pris, ça c'est trop petit, genre par exemple, j'ai pris deux choses d'aller comme ça, Béatrice, qui était 89 sous. J'ai pris un sac de fromage en crêpe, Viera, j'avais pas pensé d'en prendre un objet tantôt. J'ai pris trois sacs de chips, mais tu sais, ça c'est sûr, ça va durer pas mal plus qu'une semaine. C'est plus mon père qui en mange, moi j'en mange un peu, mais tu sais, pas de bonne, parce que c'est pas super bon. Mais j'ai décidé que mon lien cette semaine allait être dedans. Là, t'as le chat qui est dans le chapeau. Là, tu sais, le chat dans le chapeau. Hein, c'est le chat dans le sac. On dirait qu'on traîne un chat de poche. Comme les éléments traînent leur Yorkshire, t'as rien dans leur enfant. De retours. J'ai pris des Lay's barbecue en ancienne puis des bacon. Ça l'achève, gang, ça l'achève. Un piment orange, un piment jaune. Un piment rouge. Puis un sac de pommes gala. Voilà! Fait que. Ah, puis j'ai pris de la litière aussi, mais elle est encore dans le. Dans le tour à mon chum. Fait que voici la gang, le petit haul. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite du vlog. Hier, j'ai pas vlogué autant que j'aurais voulu, comme pis tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un vlog week-end, dans le fond, de combiner comme deux journées de vlog, donc j'en fais pas souvent. Puis voilà. On est dimanche, le 14 mars 2021. Et environ 10h07. Puis aujourd'hui, la date, c'est quand même assez une journée grise. Ce matin, je pensais de faire des crêpes pour déjeuner. C'est rare que j'en fais. Parce que voilà. J'en fais plus la fin de semaine de temps en temps. Fait que ça va nous faire un bon petit déjeuner. C'est rare qu'on en fait. Fait que c'est comme notre petite gâterie du dimanche matin. Puis après ça, on aimerait ça faire un petit peu de lavage. Puisque hier, finalement, on n'en a pas fait. Donc, on va laver les couvertes là, pour qu'ils soient propres pour la semaine et tout ça. Puis, là, j'ai ma mère qui est en haut. Et j'ai Patouf qui est fasciné par le bol de toile. J'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà. Fait que là-dessus, la gang, moi, je vais aller jaser un peu avec mon chum. Puis, par la suite, on va commencer à faire le déjeuner ensemble. D'un coup que les coquilles sont cuites,
vous les installez dans le moule, ben pas dans le moule, mais en tout cas dans le plat de préparation. J'ai ma béchamel ici qui est prête. J'ai fait une béchamel façon Alfredo que j'ai racheté du poulet dedans, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Du parmesan, j'ai mis de l'ail, j'ai mis des épinards aussi. Je vais juste fermer mon rond, une petite affaire. Puis par la suite, on va tout attendre ça sur les frères. Puis on va acheter du fromage pour faire gratiner. Recoucou les gangs, je suis en ma salle de bain. Il sort puis il fait clair dehors. Et ben, il sort et capte en réalité, là. Mais il fait encore clair dehors, je capote. Je m'apprête à me nettoyer le visage avant d'embarquer dans la douche. Le souper est au four, puis j'ai de la ferveur, puis je sais pas comment j'ai fait. Puis mon chum va s'occuper de se réveiller le repas pendant que je vais prendre une douche vite fait. Parce que au moins, ben, c'est sûr. Ma douche va être prise. Puis je vais me mettre comme en pige. Puis après ça, on va laver les couvertes pour avoir des couvertes propres pour la semaine. Fait que voilà. Oh mon dieu. Je suis arrêtée là pour la faire couler inutilement. Puis là, si vous me demandez pourquoi je me lave pas le visage avec ma brosse, c'est que là, faut que j'aille racheter des batteries dehors parce que j'en ai plus. Puis ça marche avec des batteries, cette petite machine-là. Puis cet après-midi, j'ai déjà commencé à faire le montage du vlog. Fait que j'ai vraiment une bonne partie de faite. Puis j'ai fait une mini sieste. Ça m'arrive des fois l'après-midi, comme je vous disais, de m'endormir un peu. Quand je suis en congé. Surtout que à ce temps-là, je me réveille quand même la nuit. Puis des fois, je me réveille, puis ça me prend comme 2 heures avant d'être capable de rendormir. Fait que là-dessus, les gangs, moi, je saute dans la douche. Puis nous, ben, on se reparle quand je vais vous montrer le résultat final du souper tantôt. Bonsoir tout le monde, je vais plugger mon téléphone un peu. Il est rendu 21h13. On a soupé, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé les restos frigo. Puis là, on est en train d'écouter. On est en train de finir d'écouter Thor, un film de Marvel. Puis après ça, on va pas mal. S'aligner peut-être pour écouter un épisode des Simpsons, puis après ça, comme se coucher. Et parce que dans le fond, je travaille à 7h demain matin. Mon chum, lui, il travaille à 8h, mais il faut quand même qu'il parte ici à 7h30. Puis il va aller m'amener vers 6h30, 6h40 au travail. Ben, plus vers 6h40, là. Puisque ça arrivait comme une. Tu sais, je suis habituée d'arriver d'avance, hein, mais je vais arriver vraiment d'avance sinon. Puis c'est pas ça qui me dérangerait, là, vraiment pas. Mais voilà. Je pense que le vlog a été bon. Vous me direz en commentaire, là, qu'est-ce que vous avez le plus aimé du vlog. J'espère qu'il a été palpitant pour vous, puis que vous avez aimé me suivre un petit peu durant la fin de semaine. Fait que nous, on se redit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!